Geekzen, la culture 200% geek. Eh bien, salut à tous, c'est Dixie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le test de l'extension de Monster Hunter World. Monster Hunter World Iceborne, le nouveau DLC qui est sorti, enfin DLC, voire extension. Donc, assez rafraîchissant, puisqu'on est sur un thème un peu glacial, voilà. Ça change de décor qu'on avait l'habitude de voir, et puis le jeu commençait à s'essouffler. Capcom a compris qu'il fallait sortir autre chose pour qu'on puisse... continuer cette perpétuelle aventure de chasse, etc. Qu'on soit néophyte du jeu ou non, qu'on soit un vrai amateur ou un grand vétéran de ce jeu. Et aujourd'hui, on a l'occasion de tester, voilà, sur PS4 Pro. Et donc la partie PC, hein, pour les joueurs PC qui sont aussi comme moi, parce que j'avais acheté le jeu de base sur PS4, puis parti sur PC parce qu'il y avait la plupart de la communauté qui était sur PC. Faudra attendre 2020, janvier 2020 précisément, pour pouvoir utiliser les ressources graphiques d'une RTX 2070 par exemple. Du ça par exemple. Et puis voilà, sinon on s'en contentera sur PS4 et Xbox One pour le moment. Et on va pouvoir découvrir ça ensemble. Alors la vidéo tarde en effet et l'article aussi, puisqu'il fallait tout réinstaller. Puisque j'avais tout désinstallé aussi, il fallait reprendre le jeu de base. Que je n'avais plus sur PS4. Et là, on se retrouve sur ce beau décor qui change. Avec de nouvelles créatures, de nouveaux décors, de nouvelles ambiances, de nouvelles armes, de nouvelles armures, un nouveau rang, puisque vous avez le rang de novice à expert comme avant. Et là, vous avez le rang de maître, donc un rang qui est un petit peu au-dessus, largement. Et je vois que le compagnon peut avoir une épée, de ce que je vois sur la barre de Bilbo en haut. Je pense que c'est son épée aussi. À découvrir, hein. Je vais me faire peut-être taper dessus. Alors là, pourquoi des Legianas? Oui, vous les connaissez. Alors les Legianas, sans vous spoiler, en fait, ils ont changé de décor. Ils se sont barrés, concrètement. Wow, ça c'est gentil, ça. Hein. C'est tout doux, ça. Hein. Ouais, c'est des petites bébêtes, tranquilles. En fait, les Legianas sont partis de leur milieu naturel habituel et ont entendu un chant et se sont barrés. Clairement, ils se sont barrés ici à cause d'un champ. C'est pour ça qu'on est à la recherche de tous ces trucs. J'ai perdu, moi, tous mes sens là-dessus. Toutes les commandes. Je ne sais plus comment on joue. Je vous cache pas que ça va être un petit peu chiant. Totalement perdu. Alors ça, carré, c'est filet de capture, blabla. Ok. Là, je me souviens, il fallait faire comme ça, quoi. Ok. Là, il y a du miel. On va avancer par là, je pense que c'est... J'espère. On va suivre le chemin. Tiens, si je bourrine un peu là-dedans, là, ça donne quoi, ça? Si je bourrine là... Si je leur tape sur la gueule un peu... Ah oui, c'est ça. C'est pas du tout l'arme que j'avais de base. Si, c'était ça. Ah mais j'avais pas cette arme-là dès le début. Je me suis fait couiller. Attendez, on va essayer de retourner. Non, bah non, j'ai pas le choix. Je me disais aussi, je comprenais pas cette arme. J'avais la Grid Sword à la base. Et au moment de recommencer le game, je suis retourné là-dessus. Donc évidemment, ça aide pas.
Ah oui, je comprends. Alors, faut savoir que j'avais fait que ce jeu, hein. J'avais fait que cette arme-là. Donc, l'arme en dessous de la mienne, c'est la mienne. Ok. Wouhou. Je vais me faire taper sur les doigts ici. Je le sens bien. Ah ouais, mais je comprenais pas du tout. J'avais fait une autre arme. Je sais pas pourquoi j'ai fait celle-ci d'ailleurs. Je pense que je devais m'emmerder dans le jeu et je me suis dit, je vais arrêter la grille de sword et je vais faire une autre arme. On dirait une clairière. Allons voir de plus près. Alors pourquoi celle-ci? Je pourrais pas vous dire. Ça va être d'autant plus compliqué puisque j'ai vraiment pas l'habitude. Quelle est cette chose? Je vais le découvrir avec vous. Un popo? Ah oui. Quelle est cette créature? Alors ceux qui ont fait les Monster Hunter depuis longtemps, hein, connaissent le bestiaire. Il y en a même, ils ont retrouvé des créatures d'avant, je savais même pas. Ah, mais oui, c'est lui là dans... C'est pas moi, j'ai joué à celui sur PSP, je me souviens même plus du nom. Et j'ai fait Monster Hunter World. C'est tout ce que... Ah non, j'ai fait le... J'en ai fait un sur Wii. Je sais plus c'est lequel, ça doit être Triforce, un truc comme ça, Tri. Voilà. Béotodus. Putain, ça ressemble un peu au. Ah ouais, non. Ça, j'aime pas. J'ai pas de boisson chaude. Putain, c'est vrai, faut faire des boissons chaudes. Putain, ça a l'air d'être complexe, hein. Lumière. Ah, cette fameuse cage. Allez, on attaque. Alors là, les armes de feu vont vraiment aider pour le coup, hein. Pourquoi faut que je vise avec mon front? Soufflet. Ouais, mais faut pas que je m'engouffe là-dedans aussi. Mais... Je suis en train de perdre total. Lance ton grappin sur un mot. Utiliser le grappin. Ah oui, donc nouvelle fonctionnalité aussi, le grappin. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le grappin sur un monstre? Mais oui! Mais c'est trop bien! Avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Je vais me faire déchirer. Pas l'habitude de ça. Ah mais y a un autre. Why? Popo avec. Oh là 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 là, je vais me faire déchirer. Ah mon dieu, je suis pas prêt, j'ai pas pris les bonnes armes en plus. Oh, je vais me faire, je suis mort. Ouf putain. Eh, j'ai eu chaud hein. Capsule de feu. J'ai dit capsule de feu. Enfin, les pièges vont marcher. Je suis totalement perdu. Allez, viens. Voilà.
Allez, attaque. Fais des trucs de ouf, là, allez. Voilà, spirituel, là, non plus, c'est pas ça que je veux. Je peux te niquer la gueule. Putain, mais je fais pas de dégâts avec ça, sérieusement. Ah, il se barre. Ah, putain, il se casse. Eh, je me fais attaquer par des petits trucs, là. Ok, donc... Il y avait du Vitalis partout. Wow. En fait, avec le décor, avec l'environnement, machin... Eh, c'est tendu. Vous perdez en endurance de malade. Putain, c'est fou. Ah, je peux me faire des boissons chaudes. Eh, je sais plus comment on tape. Je sais plus comment on fabrique, quoi. Dans le menu rapide, là. Ah, bah c'est bon, boisson chaude. Putain, on a pas eu les choses, hein. Boisson énergisante, peut-être. Ok, ça remonte un petit peu. Il y a moyen. Allez, cache foudre insecte. Vas-y, pause. Oh putain, il a pété le truc. Ah non, même pas ça. J'ai même pas de cap. Cap du gardien. Allez. Ça va, ça reste, ça reste. Ça commence à revenir. Par contre, les dégâts, je suis pas... Sur la grid sword, je tapais sur du 100, 120. Là, faire du 20, des petits trucs comme ça, je suis pas d'accord. Je les ai mieux avant. Je sais pas si j'ai la bonne en plus. La bonne arme. J'ai l'impression de faire zéro dégâts, quoi. Ah, il y a des nageoires qui aiguisent, il y a des nageoires qui donnent de l'endurance, je me souviens, ça y est. Oh là là, ça joue avec ça, quoi. Arrêtez un peu. Je suis stunt. Ah, garde de territoire, c'est bon ça. Comment ça, garde de territoire? Je vois pas d'autres. Ah oui, je le vois maintenant. Putain, pas mal. Est-ce que j'attaque ou pas? Oh non. On va pas prendre de risques. Est-ce qu'il va se barrer lui? Il va pas nous attaquer lui quand même. Oh là là, on dirait un Bazelgeuse quoi. Bazelgeuse mais sur pied. Ouf, ça touche. Ça touche, ça touche, ça touche. Oh, j'ai fait la transpale, j'ai pas pu. L'arme est chaude là. Comment on a chauffé? Oh, derrière toi, voilà. Cache-poudre et insecte, on a ce qu'il faut là ou... Ah, y a un truc là-bas. Attends, par contre. C'est des pierres, il va chier. Un cache-foudre insecte. Mais what? T'étais stunt? Eh, ça commence à chauffer, hein. Je suis plus aussi endurant que ça. Électrochoc, il est pas mort encore, il a rien. Allez, mais brille! Oh! Ça a bien fait mal là. Il a fait un petit 300. Mais non...
Eh, je pose ça. Ah, le con. Ah, bah, bien joué. Bien joué, bien joué. Je pense qu'on va s'arrêter là, puisque je me fais dépouiller de toute façon, mais je viens seulement de voir qu'il y a un coffre de fourniture. Mais il n'y a rien dedans. Vous avez compris l'idée? Le jeu se veut extrêmement dur si vous n'avez pas le bon stuff, si vous n'avez pas l'habitude de jouer avec votre arme favori. Du coup, moi, je pense que je vais demander de retourner au QG, puis de réessayer avec la Green Sword, parce que là, ça va être juste impossible si j'ai pas ma GS. Et puis, ben, j'espère pouvoir faire cette capture et continuer cette quête. Voilà, très important, continuez vos quêtes, continuez avec vos armes habituelles pour foncer, chasser ce genre de monstre. Sinon, vous êtes perdu. En plus, je suis tout seul. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir retoucher un peu Monster Hunter, même si les touches sont plus celles que j'avais avant, parce que c'était pas déjà, c'était pas mon arme de base, et ça faisait longtemps que j'avais pas rejoué. Bon, en tout cas, ça va me permettre de faire une bonne centaine d'heures par la suite, et pourquoi pas dépoussiérer un peu tout ça, et de retourner avec des guildes pour pouvoir chasser. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était Dixie. Bisous tout le monde. GeekGen, la culture 200% geek. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Et on lit tous vos commentaires.